Martin la barbe, elle pousse. C'est reparti sur les chemins de cette traversée du Jura. En quittant Villers-le-Lac, on change d'ambiance pour randonner dans les grands espaces du Haut-Doubs et du Jura pour une distance d'environ 150 km. On est aujourd'hui le cinquième jour. J'ai super bien dormi dans cet hôtel Les Cygnes, au bord du lac de Villers-le-Lac. Un hôtel que je vous recommande. Il y a même un spa et un sauna que j'ai pas utilisé. Et les gérants, très très sympa. Un petit déj, un buffet à volonté, c'était magnifique. Je suis chargé à 4 kg de plus que ce matin, entre la nourriture en plus et l'eau que j'ai prise. Mais bon, ça tire donc effectivement sur tous les muscles. Et puis les articulations des genoux aussi. Bon, il ne reste plus qu'à peu près 1 km. Et je vais faire la pause pour déjeuner. Alors, au menu, tortilla, du thon acheté ce matin, un avocat acheté ce matin, et des petits gâteaux bien sucrés, bien caloriques. Et puis, si j'ai encore faim, j'ai même du Babybel. Pas de bol pour l'instant, l'avocat, il est pas mûr du tout. Je fous de l'huile partout, je me suis pris comme un manche. Et voilà. Il y a un truc à faire. Wrap. Thon. Fromage Babybel. C'est un délice. Je me régale. Je suis en train de manger mon dessert. Je prépare le drone. On va faire une petite prise de vue là du coin. J'ai un petit peu de temps devant moi. Moi, c'est quand même 13 ou 14 km, 14 km je crois, j'en ai déjà fait une dizaine, pour arriver au Gras, et je pense que c'est là où je vais m'arrêter pour ce soir. On lance l'appli, on allume la télécommande, et voilà la bête, c'est le DJI Mini 2, je l'ai pris parce qu'il est très léger, le poids du drone c'est 249 grammes, bon avec la télécommande sincèrement, du coup, c'est quasiment plus les batteries, plus des hélices de rechange, plus un câble, etc. Il y en a pour pas loin de 800 grammes, je crois. C'est un poids. Bon, j'ai voulu le prendre cette année. Je suis pas sûr que je les prendrai les prochaines années ou les prochaines randos, mais en tout cas, pas sur des longues distances. Alors là-bas, la maison à gauche, c'est peut-être une maison d'hôte. Je vais voir si je peux poser ma tente, parce que, enfin, poser ma tente ou même directement dormir dans cette maison, parce qu'il n'y a que des chambres là qui sont clôturées. Et j'ai demandé à un gars qui me disait que il y a des génisses là-bas et donc on ne peut pas y aller, que là c'est des prés de fauche donc on ne peut pas y aller, qu'il y aura partie, apparemment plutôt sur la partie gauche on pourrait aller, mais on va demander l'autorisation quand même. Et je vois personne, donc je vais aller là-bas, au Tevéro, là. Maison d'hôte, on va voir ce qu'ils vont me dire. Il est 19h43, 29,5 km.
C'est pas mal. Je suis sorti de la cuisine Mijoux parce que sincèrement c'est inintéressant. Et puis là je commence à regrimper. Puis j'ai fait une pause parce que là ça grimpe bien. Ouh, pétard de montée. Il fallait céder parfois des mains. C'était assez pentu donc. Mais bon, ça y est, là j'en ai terminé. Salut à tous, jour 7, 6h30. Sous la pluie. Mais j'ai réussi à pacter vraiment juste avant que la pluie commence, donc toutes mes affaires principales sont secs, donc ça c'est génial. Et puis aujourd'hui, de toute façon, c'est une toute petite étape puisque moins de 10 km, comme j'ai bien avancé sur les 3 derniers jours. C'est qu'il fait frais, pour pas dire froid, il fait frais. Je suis encore en t-shirt, mais j'hésite à mettre une petite couche supplémentaire. Bon, il est 11h30, et ce qui est génial, c'est que c'est le dernier kilomètre à parcourir aujourd'hui. Il est 11h30 ce matin. Hier, j'ai fini à 21h30. Aujourd'hui, je finis avant midi. Aujourd'hui au programme, donc une belle montée pour commencer de près de 400 mètres. Une montée de 390 mètres, je crois. 400 mètres de dénivelé en 4 km. Direction les hauteurs. Un lac, je crois, qu'on va aller voir. Pour arriver sur les hauteurs, lac du Moron, je sais plus. Et puis on redescendra sur Mout, et puis après redescente sur Mout. Et après on descendra sur Mout, et on ira peut-être un peu plus loin, en fonction de la météo et de mes jambes. Derrière moi, le lac du Mont-Rond, on est à 1350 mètres d'altitude. Et puis si je mène de l'autre côté, on voit le fond de vallée avec le village, je ne sais pas ce que c'est.
est 14h. Je suis à 18 km de fait déjà, ce qui est bien. Très content. J'ai croisé pas grand monde aujourd'hui, en tout et pour tout, une personne. C'est tout ce que j'ai vu aujourd'hui. Alors là, ça y est, j'arrive à Mout, là, dans 1 km. Et on va d'abord passer par la source du Doubs. Étape compliquée, j'ai mal aux chevilles, surtout la cheville gauche et puis le talon. Donc on va faire en sorte de soigner tout ça ce soir pour attaquer demain en pleine forme. Aujourd'hui, on va direction Les Rousses, une grosse étape, une trentaine de kilomètres, 32 je crois, 32-33. Il y aura une belle côte à passer. Donc voilà mon terrain de jeu pour les prochains jours. Allez, c'est parti pour la dernière montée de la journée. On va prendre à peu près 200-250 mètres de dénivelé. Et on sera au-dessus des Rousses après. Il restera encore, je sais pas, 5 km à peu près. 6 km peut-être pour arriver jusqu'aux Rousses. Pour l'instant, on se concentre sur la montée. Il va y avoir pour une petite heure. Alors c'est étonnant parce que depuis la montée, je ne vois plus de traces du GR. Ceci dit, j'ai un GPS sur mon téléphone et sur ma montre. Et apparemment, j'ai sur la trace, donc bon, ça devrait aller. Bon. À monter, c'était chaud patate. Si je pousse jusqu'au rouge, j'en ai pour un peu plus de 8 km encore. J'en suis déjà à 27 ou 28. Ça se compte. Je sais pas. On va voir. Bon, bah voilà, ça y est, il pleut. Ça pleut un peu plus que prévu. Donc pour l'instant, j'ai mis ma petite protection de base. Bon alors là je confirme, ça pleut vraiment beaucoup. L'orage gronde. Je suis pas loin pourtant, hein. Je dois être à 6-7 km. Hein. Voilà après la pluie, surtout quand c'est un orage. Le beau temps, enfin le soleil revient en tout cas.
ça, punaise, il repleut. Ouais, je suis fatigué, hein. 33e kilomètre. Allez, dans 3 km, je pense que j'arrive aux Rousses. Après, il faut que je trouve encore un hébergement et il est déjà plus de 7 heures. Ok, ça y est, je suis arrivé aux Rousses.